chant à domicile. Nous allons travailler le staccato. En chant, c'est très important le staccato. C'est ce qui va faire justement vivre un petit peu vos chansons, donner du rythme à vos mots. Voilà, c'est tout le contraire du legato. Le legato, c'est le son lié, ce qui est très important pour une phrase. Et le staccato, c'est les notes un petit peu hachées et légèrement piquées. On va le faire tout simplement sur ha 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 ha. Faites-moi juste de votre côté ha 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 ha. Voilà, comme si vous rigoliez à pleine voix. Ha 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 ha. Et on va le faire tout simplement en chantant. Ça réveille toute la ceinture abdominale et c'est très 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 important avant de chanter un air ou un morceau ou une chanson assez rapide. Ha ha. Libérez les aigus. On descend. Oui. Exercice le matin, après le réveil, avec des A, des I et des O.